Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai reçu une commande de chez Obi. Cette commande va me servir pour ma couverture météo. Voilà. Alors j'ai un petit souci, mais je leur ai envoyé un email. Pas un souci avec ma commande. J'ai un petit souci, c'est qu'ils sont en rupture de stock en ce moment sur certaines couleurs. Et il y en a une où je vais tomber en panne. Alors soit il faut qu'il fasse très froid, ou alors il faut que la température remonte. Voilà, pour que je puisse changer de couleur. Et ne pas tomber en panne sur la couleur manquante. Voilà. Oui, en ce moment, ils sont en rupture sur le blanc, sur un bleu, donc le 17, enfin, sur plusieurs couleurs. Et du coup, ben, ça m'embête. Alors, moi, j'ai passé commande. Il y a eu une promo la semaine dernière. Une très forte promo où les pelotes étaient à 1,50 €. Là, aujourd'hui, elles sont revenues au prix de 3,57 ou 3,67, un truc comme ça. C'est le prix par une. Quand vous achetez, vous commencez à acheter par 10, le prix descend, etc. Mais là, c'est le prix pour une pelote. Je crois même que je les ai eus à 1,25 € ou 1,50. Enfin, bon, je ne sais plus. Je vous remarque. Voilà. Alors, vous connaissez déjà ces couleurs-là. Mais je vais vous les remontrer. Alors du coup, j'ai fait un petit peu de stock en plus déjà ben, pour quand il fera bon. J'ai profité que du prix pour ben, avoir du stock. Voilà. Alors, là, j'en avais pris. Celle-là, j'en ai pris 4. Alors, les bleus, c'est celle que j'ai pris le plus. Là, c'est la numéro 22. Voilà. Vous voyez. Moi, c'est la 17 qui me manque. Là, je peux encore faire 2-3 rangs, je pense. Mais après, je vais tomber en panne. Alors, ça, c'est la 22. Voilà, donc vous voyez, c'est la Migo. J'aime beaucoup, hein, elle est, c'est de l'acrylique, mais elle est très douce. Donc là, j'en ai pris 4. Ensuite, celle-là, j'en ai pris 4 également. C'est la bleue, quel numéro celle-là? La 18. Voilà, donc pareil, j'en ai pris 4. De toute façon, s'il m'en reste après, je pourrais m'en servir. Hein. Ensuite, j'ai repris. Alors, celle-là, c'est quand il fait très froid. Donc, je pense que on n'aura plus de très très froid maintenant. Mais bon, je prévois quand même. Donc, c'est la grise. C'est la numéro 8. Donc là, j'en ai pris que 2. Ensuite, j'ai pris l'intermédiaire entre le froid et le beau temps. La verte comme ceci. Donc là, j'en ai pris 3. Donc, celle-là, j'en ai encore une, deux en stock, une en bas. Donc, j'en ai encore 3 en stock. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Celle-ci, c'est la numéro 29. Et pour terminer, j'ai pris celle-ci, donc la jaune, c'est pareil, hein, j'ai encore du stock sur celle-là puisque je n'ai encore rien tricoté en jaune, mais je prévois, hein, je me dis à la prochaine promo, je vais reprendre dans ces couleurs-là, hein, les couleurs chaudes, pour commencer à me refaire un stock quand il fera bon, parce que bon, je pense qu'on aura encore un été chaud,
mais bon, on verra. Et celle-ci, c'est la 36. Voilà. Alors, je vous remonte. Alors, on va essayer sur les doigts. Hop. Hop. Voilà. Donc, il y avait cela. Et celle-là, voilà les couleurs que j'ai prises. Et je vous dis, par contre, je n'ai pas eu celle que j'ai absolument besoin en ce moment. On va croiser les doigts. Aujourd'hui, il fait 8 degrés encore. Et c'est cette couleur-là que j'ai besoin. Donc, j'espère que ça va aller. On verra bien. Donc là, je vous dis, mon stock, donc je l'ai eu à 1,50 € la pelote. Donc, vérifiez régulièrement sur le site. Voilà, je vous remontre. Hop. Vérifiez régulièrement le site Hobby. Parce qu'ils font toujours, toujours, toujours des promos. Il y en a tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et du coup, profitez d'acheter quand vous voulez acheter chez Hobby. Hein. Bon, moi, j'achète chez Hobby, mais voilà, pour par exemple, pour ma couverture météo, pour j'ai pas encore fait, pour les châles, j'ai acheté aussi pour des châles que j'avais fait. Mais profitez des promos absolument. Comme ça, bah, vous êtes tranquille, vous pouvez vous faire votre stock. Et voilà. Là, moi, je vais me faire je fais ma couverture à prix réduit. Alors, je crois que j'ai rien oublié dans le sac. Ah, si, le petit bonbon, comme on a comme d'habitude, le petit bonbon Hobby. Voilà, c'est marqué Hobby. Donc, ça, on en a toujours un ou plusieurs, ça dépend. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous remets le lien de la boutique Hobby. Alors c'est un lien de parrainage. Ce qui fait que quand lors de votre première commande, vous aurez déjà 100 points de fidélité en plus de des points que vous allez accumuler sur votre commande. Vous accumulez très vite des points chez Hobby. Et avec ces points, ça ne vous ramène pas des réductions, mais ça vous ramène des cadeaux que vous pouvez choisir dans la rubrique boutique des points, je crois que ça s'appelle. Et là, vous avez la liste de tous les cadeaux que vous pouvez avoir avec les points que vous cumulez lors de vos commandes. Vous avez des points également quand vous mettez un avis sur la. Par exemple, là, moi, j'ai acheté ça, je vais aller mettre un avis, je vais avoir des points, je crois que c'est 100aine de points. Vous mettez des photos. Moi, je vais mettre par exemple une photo de ma couverture météo. Hein, c'est un exemple que je donne. Ben, je vais avoir des points parce que j'ai mis ma photo sur le site. Vous parrainez, vous avez des points. Vous achetez, vous avez des points. Voilà. Donc, vous cumulez très très vite des points de fidélité pour avoir des cadeaux chez eux. Donc, n'hésitez pas à vous servir de mon lien que je vais vous mettre. Tout de suite en barre d'infos sous la vidéo. Et ensuite, bah, quand vous voulez retrouver cette laine-là, vous tapez Amigo dans la barre de recherche et vous allez avoir. Alors, il y a plusieurs sortes d'Amigo. Hein. Il y a l'Amigo XL, il y a la. Enfin, il y a plusieurs sortes. Moi, c'est l'Amigo, c'est la toute simple. Hein. Voilà, donc c'est bien marqué ça. C'est la première sorte d'Amigo qu'il y a. Vous en avez des plus grosses, plus fines, non, parce que c'est celle-là la plus fine. Elle se tricote et se crochette. Alors, elle se tricote en 4 et elle se crochette en 4, même 5. Donc, c'est du 50 grammes pour 175 mètres. Voilà, pour celles qui veulent savoir, tout simplement. Et là, c'est marqué. Light 3. Bon, c'est là. Je pense que c'est par rapport à la grosseur du fil. Ça se lave à 30 degrés, ça ne se repasse pas. Bon, ça, on ne met pas au sèche-linge. Hein. De toute façon, les pulls, ça ne se met pas au sèche-linge. Hein. Les pulls, les couvertures, les châles.
Tout ça, ça ne se met pas dans un sèche-linge, sinon ça s'abîme. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui n'aura pas duré très longtemps, mais qui, j'espère, vous fera plaisir, vous fera peut-être connaître la boutique Hobby si vous ne la connaissez pas encore. N'hésitez pas à aller voir. Je sais que je prône plus les boutiques françaises, mais la boutique Hobby mérite d'être connue également. C'est une boutique qui est basée au Danemark. Voilà. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, leur fil, presque tous, je crois, ou tous, parce que je n'ai pas encore regardé vraiment tous les fils qu'ils ont, parce qu'il y en a énormément. Ils sont tous au Ecotex. Voilà. Alors. Au Ecotex, standard 100, c'est marqué. Voilà. Mais je vous remontre. Donc, c'est quand même de la qualité. Voilà. Bon, bien sûr, c'est fabriqué à l'étranger. Celle-ci, par exemple, est fabriquée en Turquie. Oui. Alors, c'est fabriqué en Turquie, mais du coup, avec ce qui se passe en ce moment là-bas, si je ne me trompe pas de pays, hein, c'est la Turquie et la Syrie. Oui. Avec l'énorme tremblement de terre qu'il y a eu là-bas, j'ai une grosse pensée pour eux. Vu le nombre de personnes disparues, ben je me demande si on ne va pas avoir de la rupture dans certains modèles de laine. Je ne sais pas s'ils sont tous fabriqués en Turquie. Alors attendez, j'ai d'autres laines, je vais regarder. Alors, je viens de vérifier, j'ai du coton rainbow comme ça de luxe, fabriqué en Turquie. J'ai celle-ci, la Snowstorm, idem, fabriquée en Turquie. Alors donc, je crois qu'ils font fabriquer tout leur fil, malheureusement en Turquie. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des ruptures. Ou voilà. Bon, on verra bien, ça dépend où se trouve leur usine. J'espère que leur usine, c'est pas pour dire ouf, c'est bon, on aura encore de la laine, mais bon, c'est surtout pour les personnes qui travaillent là-bas, tout ça. J'espère que ça n'a pas été touché. Bon, on verra. Si jamais comme j'ai envoyé un message pour la couleur qu'il me manque, si j'ai une réponse et puis qu'on me dit bah non, à cause du contexte actuel il va y avoir la rupture, va durer plus longtemps ou quoi, je vous laisserai un message, soit que je vous referai une vidéo ou soit que je vous mettrai un message dans la communauté, et je mettrai un message dans le groupe également. Voilà, parce que là, ben ouais, du coup je sais pas, on verra bien. Bon, ben, moi, en tout cas, je vous mets le lien de la boutique. N'hésitez pas à vous en servir et à aller visiter cette boutique. Et nous, en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.